Igor. Mais oui, tu le vois constamment, tu viens de le voir. Mais quand tu es près de lui, tu le dévores des yeux, tu bois ses paroles. Tu crois en lui comme toutes ces folles, tu es aussi folle qu'elle. C'est un simple logique. Nos meilleurs médecins ne peuvent plus rien pour mon fils. Peut-être est-ce le ciel qui m'envoie cet homme. Majesté, réfléchissez. Ah, il n'y a plus à réfléchir. Va me chercher cet homme, je veux le voir tout de suite. Va, va. Oui, Rasputin. Oui, Rasputin. Y a-t-il autre chose? Oui, sire. Un dossier que personne à la cour n'a osé soumettre à votre majesté. Et ce dossier concerne? Le Moudjik Rasputin. Oh, pas si vite que ça, gonfleur de dossier. Ton règne est fini, Rasputin. Il a raison surtout de crier, parce que je vais l'écraser entre mes deux pouces. L'écraser? Tordu de terre! Sa Majesté l'impératrice. Alors, c'est toi qui prétends avoir le pouvoir de guérir les malades? Fais bien attention à ta réponse. Tu es fou! Mais notre ami Igor est un peu nerveux. Je ne suis pas ton ami, Rasputin. Eh, je le sais, mais ne le répète pas tout le temps, c'est lassant. Tu oublies que je suis ici par la volonté de l'impératrice, c'est ça? Hélas! Je n'y peux rien, malheureusement. Mais tire donc. Oh, ne me tue pas, moi. Non. Et puis, il y avait Piotr. Piotr, le cochon, il avait un roi dans sa soupe. C'est ce qu'il disait. Il dit, on me coupe la cuisse, on me la sale pour faire du jambon. Et puis, il y avait la poule perchée sur un tonneau. Il disait, côte, 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 côte.